Salut à tous, c'est Maconnier Minou. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo comme j'en fais jamais d'habitude, puisque c'est une vidéo que je vais sûrement appeler actualité. Alors pourquoi actualité? Parce qu'aujourd'hui les scans du Korokoro du mois d'août sont tombés. Donc on y voit deux choses, on y voit deux Pokémon. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder vite fait les scans ensemble et on va voir un peu ce que ça donne. Bon, déjà dans l'ensemble, ça nous annonce deux Pokémon, ça je vous l'ai dit. Ça nous annonce déjà un premier Pokémon, donc apparemment en japonais il s'appelle Kiteruguma. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce, il est de type normal combat. Les talents, moi personnellement je m'en fous, de toute façon, vous fouillez un petit peu sur internet, vous les trouverez. On voit un petit peu sur le scan qui fait 2,1 mètres, c'est quand même beaucoup, c'est grand quand même, ça fait un grand Pokémon. Et il fait 135 kilos. Alors bon, niveau aspect, voilà, ils ont craqué. Franchement, sur cette génération, je sais qu'avec le temps on va s'habituer au Pokémon, mais là franchement c'est quoi ça? Alors, on sait pas trop ce que c'est, donc on nous dit que c'est un Pokémon ours apparemment. Mais bon, moi ça m'étonnerait, enfin je sais pas, ça fait plus un petit peu pandarou, vous voyez un petit peu la queue là. Cette queue un peu striée, c'est les queues des ratons laveurs ou des pandarou. Donc je pense que c'est plutôt un genre de gros raton laveur bien badass. Qui a l'air très balèze, on le voit quand même péter des arbres au calme comme ça. Donc voilà, je pense que ce sera vraiment... Ouais, ce sera vraiment un bon gros bourrin, quoi. Un peu un équivalent d'un panda barbe. Donc je pense que... Voilà, je l'imagine mal. Je le trouve déjà suffisamment balèze pour être un Pokémon de base. Je pense que c'est déjà l'évolution d'un Pokémon. Peut-être que c'est un stade intermédiaire, je ne sais pas. Mais voilà, donc moi ce que j'en pense, c'est que voilà, c'est un Pokémon qui va sûrement rentrer facilement dans nos habitudes. Mais voilà, il pue un peu du cul quand même. Hein. Il est un peu trop rose à mon goût, un petit peu trop bizarre. Et là à côté on a un Pokémon. Mais un Pokémon what the fuck quoi. Donc il s'appelle le Mimikyu, hein, pareil hein, la prononciation on s'en bat les couilles. De type spectre fée, hein, donc vraiment pas commun. Pour pas dire inexistant, hein, je suis pas un expert mais ça me dit rien. Et le gars, et ben en fait il habite une poupée. C'est un genre de Pokémon hanté. Je trouve l'idée franchement bah, déjà super glauque, donc forcément j'aime bien. Et du coup ça laisse un petit peu penser peut-être qu'il y a plusieurs autres stades d'évolution et que du coup les réceptacles à spectre entre guillemets seront différents. Donc voilà, est-ce que son ventre là ce sont ses yeux? Sûrement, je pense que c'est ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Enfin, l'idée là me plaît, l'idée me plaît beaucoup plus que l'ours raton laveur du ghetto, quoi. Voilà, donc moi je ne lis pas japonais, ça m'aurait bien arrangé, hein, surtout, parce qu'on voit vraiment Kochi. Heureusement, on nous dit il fait 20 cm, 700 grammes, c'est rien, hein, franchement. 20 cm c'est un peu comme ma bouteille d'eau sur ma table. Et voilà, donc du coup, après sur le scan, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc là on voit des jaquettes des jeux pour 3DS, donc ça c'est sûrement la date de sortie, j'imagine. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit plusieurs petites images, pareil, je ne sais pas ce que c'est, avec des Pokémon qu'on appelait Iwanko, qui s'appelle Rokabo si je me souviens bien, un petit peu partout. Alors est-ce qu'il va y avoir des révélations bientôt sur le fameux secret? Donc j'ai fait la première théorie, je ne sais pas. Franchement voilà, moi en plus ça met du mystère, j'aime bien le fait de ne rien savoir, donc c'est plutôt cool. Après voilà, j'ai cherché un petit peu sur internet ce que les autres sites pouvaient raconter sur dessus, et bon, il n'y a pas grand chose encore, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Ouais, apparemment la poupée, ce serait un goodie à ce que j'ai vu pour les 20 ans, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ces Pokémon? Est-ce que vous les kiffez? Est-ce que vous les trouvez ridicules? Ce qu'on fait, c'est qu'on va attendre d'avoir d'autres infos au sujet de ces Pokémon, et peut-être au sujet d'autres Pokémon. Plus généralement, on va attendre d'avoir du nouveau au sujet de Pokémon Soleil et Lune, et on se dit donc à ce prochain épisode. N'oubliez pas de mettre votre pouce bleu, ça c'est la règle, c'est obligatoire. N'oubliez pas de vous abonner, et n'oubliez pas de parler de ma chaîne autour de vous. C'était Maconnier Minou, portez-vous bien, musclez-vous bien, bye bye!